Elle est où, c'est encore moi? En fait, je pense que je vais regarder tous les épisodes de Steven Universe Futur jusqu'à ce que ma chère Spinelle revienne. Oui, je force, qu'est-ce que tu vas faire? Blague à part, j'ai vraiment repris espoir par rapport aux, on va dire, détails. Enfin, plutôt sur le traitement des détails, on va dire, depuis Volleyball. Épisode qui nous a donc rappelé que 1. La gemme de Steven est très très puissante. Et de 2. Pink Diamond est vraiment une biatch. Lucie, je sais que tu vas regarder cette vidéo, je sais que tu détestes que je dise ça, mais c'est ce que je ressens. Cela dit, il y a un post sur Tumblr qui était ultra intéressant, qui expliquait sur pourquoi on déteste de plus en plus Pink, plus même que les autres Diamonds, parce que en fait son arc de rédemption est raconté à l'envers. Du coup, on oublie peu à peu les bonnes choses que Rose a faites pour se focaliser sur les mauvaises choses que Pink a fait, du coup, encore plus loin dans le passé. C'est pour ça qu'on déteste moins les autres Diamonds, parce que les autres Diamonds, on voit le positif qu'elles sont en train de faire. C'est plutôt une bonne explication, sauf que, enfin, moi, tout ça, je le ressens pas du tout. Je déteste Pink autant que les autres Diamonds. Désolée, Steven, je sais qu'on parle de ta famille, mais... Je veux dire, elles étaient quand même à la tête d'une dictature. Et c'est pas le genre de choses qu'on oublie à coup de « Oh, bah, ce petit m'a fait rougir, je vais organiser la paix plutôt, hein, qu'est-ce qu'on se marre ?» Alors oui, Pink a évolué, et oui, en bien. Et je pense vraiment que ce qu'elle a dit à Steven dans sa cassette, enfin, vous savez, les cassettes qu'elle avait fait à Steven et à Nora, je pense qu'elle était sincère. Elle a pu faire des erreurs en tant que Pink, ça la rend même plus humaine que les autres Diamonds, mais ces erreurs, justement, elle les a pas réparées, elle a fui comme une lâche, ce qui est quand même fou pour quelqu'un qui se dit prêt à se battre pour toute une planète. Moi, c'est pas le fait qu'elle ait menti qui me pose problème. Même quand il y avait eu cette histoire où elle aurait détruit Pink quand on ne savait pas qu'elle était Pink, j'ai fait ah, ah, ah. Mais d'un autre côté, c'était... Enfin, qu'il y ait eu ce mensonge derrière, je trouvais pas ça trop grave. Oui, en fait, ta maman est une meurtrière. C'est pas grave. Non, moi ce qui me posait problème, c'est son incapacité à gérer ses responsabilités. C'est pas évident de gérer ses responsabilités, je le sais, merci. Mais qu'elle se fasse passer pour un leader alors que justement tu ne sais pas comment le faire, c'est très hypocrite et j'aime pas du tout ça. Et ses responsabilités du coup retombent sur les pauvres épaules de Steven. Tiens, parlons de Steven, justement, qui n'a pas l'air dans son assiette. Est-ce que je devrais te faire une jaquette? On a vu déjà la puissance de sa gemme dans Change Your Mind. On l'a vu accepter et aimer sa gemme et refusionner avec elle. Mais si vous voulez mon avis, il va finir par se l'arracher lui-même. Encore une fois, j'ai vu un post de Tumblr qui disait que Steven faisait une crise identitaire. Et quand est-ce qu'il n'en fait pas, ce pauvre petit? Le pauvre, pendant longtemps, il s'est battu pour prouver qu'il n'était pas Rose Quartz. Après, il s'est battu pour prouver qu'il n'était pas Pink Diamonds. Maintenant qu'il sait qu'il est Steven, et ben justement, qui est Steven? Parce que techniquement, il a jamais eu le temps de se pencher là-dessus. Et lui, et il pensait que Steven était là pour réparer les choses. Et là, il commence à détruire des choses. Et Steven se sentait inutile à chaque fois que ses pouvoirs ne marchaient pas. Et maintenant, même quand ses pouvoirs marchent du feu de Dieu, il se sent inutile aussi. Il n'y a qu'à voir l'épisode avec Améthyste. Sans oublier le discours que lui a fait Jasper. Merci Jasper. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, il va arracher sa gemme. Parce qu'il aura peur de ne plus contrôler ses pouvoirs, mais aussi, il se dira que de toute façon, elle ne lui sert plus à rien. Ce qui est pas bien du tout, parce que sa gemme, c'est pas uniquement ses pouvoirs, je dirais. C'est une partie de lui. Si ses pouvoirs deviennent incontrôlables, c'est pas à cause de sa gemme, c'est à cause de lui. À cause de ses émotions. Et je pense que pendant longtemps, Steven se dira que c'est juste sa gemme qui déconne, parce que c'est quand même beaucoup plus facile de se dire ça. C'est beaucoup plus simple que d'affronter la réalité qui est que il doit encore chercher qui il est. Voilà ce qui va se passer selon moi. En tout cas, c'est soit ça, soit il souffre d'un complexe du héros et décide de lui-même corrompre une gemme et ce qui va devenir le ver violet et de le battre. Et je sais pas ce qui est le pire. Non, avouez que ma première théorie est mieux. Parce que imaginez que Steven corrompre des gemmes, c'est terrible, c'est terrible. Ça veut dire qu'il est devenu comme les Diamonds, voire pire. Ou alors, il arrache sa gemme et il corrompt sa gemme pour se battre contre elle. Comme ça.
Have you been feeling lost and confused in this area? Okay, il fait une pub, on est d'accord. Are you used to plotting? Then you can tend to this plot of land. I'm an actor. I'll get this home and just... You got a really weird idea of what a prank is. At least I don't have to pick up more toilet paper. I can hear the leaf make you see. Welcome to Earth. Up in my heartbeat, let's see. Yay! You like food, yeah? Yeah. Well, sit tight then. I'll be right back. C'est quoi cet accent? Please enjoy it. I'm begging you. Can I see you guys in the bathroom? En fait, la salle de bain, c'est l'endroit de crise, tu vois. Don't panic. I think Bluebird is a fusion of Aquamarine and Eyeball. Well, duh. That's pretty obvious. Plutôt contente qu'il soit plus dans l'espace. That was then. Yeah, but isn't it convenient that Bluebird just showed up here at my house? Steven, you've literally invited all problematic gems from across the universe to come here and learn a better way of living. Yes, girl. Oh, il a remplacé avec ça! Trop mignon! How else are we gonna cut this cake she made for you? Surprise! I've been finding this junk all over the place. Steven, those are my drawings. Oh! Sorry. Oh, Bluebird, classic brand. What? Huh? What? Up here, son! Are those screams of fun? And forever shall we rue the names! Aquamarine and Ruby. Well, it's us! It's always been us and you never knew! I always knew. Everyone knew. It's destroying your house! Yeah! Bubble your friends! Yeah! And burn little homeworld to the ground! That's a No! Dad, are you okay? No! Oh, my baby! No! Father, go inside. Father. I won't let you get away with this! Uh-oh. Tisk, tisk, tisk. Yes, that's Steven. Imagine how much better it would feel to fuse to support each other instead of tearing someone down. Your life change would your mind. With warmth and friendship and joy and love. And... Wowie wow! He is so annoying. I hate him so much. I know. Me too. Are you kidding me? Gotta admit, that's pretty cool. Steven, why is Greg crying in the bathroom? Tommy's gotta move his dang paper! Oi! Oh! Completely learned my lesson! Gotcha! Ah, elles sont même pas dangereuses. Elles sont chiantes, mais pas dangereuses. But I'm not the one they hurt. I'm really sorry, Dad. I never should have given Bluebird a chance. I love how you believe in everyone. You stuck to your principles, and I'm proud of you. I mean, everyone can change, but not everyone wants to. Yeah. Goodbye, old pal. You're finally free. Pourquoi je pleure sur des cheveux? A very special episode. Ooh. For saving us from this dastardly bandit guy. Onion! Well, I suppose it's still a mess. It's been so fun playing, but now we have to clean. Which is also fun. Are you ready to tidy up? Je n'avais pas reconnu la voix. Ah, yes! Let's get things a little more animated in here. Stick by stick, the little blackbird builds a nest. Ok, les gens sont là en mode, c'est Mary Poppins. Moi, je suis juste Taco. Next time, wash your dishes. Can you please explain what this is?
All right. C'est thank you for the kisses. Okay. Je te fais pas ça. Take your time. We'll be fine here. Wow, Onion, that's a beautiful bag of hair. Whose is it? What? Steven, help. I think I'm scaring them. It's okay, we got this. Il va fusionner avec tout le monde. Yes! I'm happy. All right, hold tight. I gotta take a phone call. In the meantime, check out this commercial. Hey, all you gems out there in the universe. Déjà vous, I have been in this place before. Is everything all right? En plus, on voit du coup toutes les nouvelles versions de Fusion et je suis trop contente. Frustrated. He's really doing a number on the house. I think he misses Rainbow. I'll be right there. My, did all that havoc make you sleepy? Why don't we take a little nap? And off we go. Rest well. Off we go again. Sérieusement, Oignon, qu'est-ce que tu es? Oh dear. Garnet, I'm back. I. What happened? Hey, Steven. A helmet. Ooh. Wow. Now you're getting it. Oh. Please, please have everything under control. Steven, everything is out of control. Yep. It's getting really weird here. Steven, you were never like this. You were such a good kid. I'm so sorry. I never told you. I can hear him, but I can't see him. I think he's in the walls. I don't know how he got there. Stay. Steven, there's a snake. Never mind. Oh. Safety is fun. Hey, Garnet, how's about taking another student? I'm feeling a little... No, it's fine. It's good. No one needs safety training more than Onion. I'm combining all my responsibilities into one responsibility. It's brilliant. It's fine, I'm fine. Really, I'm fine. I'm fine. On dirait la chanson de Zayn. I'm okay. La pizza. Oh no. Steven, quick. Sunstone can save them. Let Rainbow save them. I'll catch them with this. I need Steven. What is it, Amethyst? I just miss you, man. I haven't seen you for like 11 minutes. He quit! I shouldn't have overbooked my schedule. No! Hey kids, don't let this happen to you. Always try to manage your time wisely. You can't be everywhere at once. Don't pull a Steven, am I right? No problem, dude. It's cool to want to help people. It's also cool to just say you're too busy. Who are you talking to? Ow! And most importantly, never jump off a cliff. Unless you're a trained professional, that is. Safety zone. Okay, that was fun. Mais Steven ressemble de plus en plus à Zach. Dans Picture Perfect, Hollywood Heartbreak, et c'est terrifiant. Oh, ça fait du bien. Non, c'était sympa. Ou bien ça remettre du angsty quelquefois. Allez, à la semaine prochaine.